C'est bien le moment d'arrêter le chantier, comme si on avait que ça à foutre. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a là? On travaille pas. On a la formation. Quelle formation? Sur les addictions. Bonjour. Francis pourra témoigner avec ce qu'il a bu hier soir. Bonjour, entrez, entrez. Moi, vous avez fait la fête ou quoi hier soir? Eh ouais. Dimanche soir, on est souvent chez Kevin. Vous avez pris l'apéro? Ah oui, comme d'habitude. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez bu? De la vodka. Tiens. Tu fais comme si c'était de la vodka. Puis tu me sers une dose comme si c'était à la maison. Hein. Ouais. On boit combien sans être défoncé? Sans être défoncé comme ça, c'est difficile à dire. Je sais pas, dans la soirée, je dois en boire 5-6. 5-6? Ça, c'est une dose de bar. Une dose de bar, c'est une unité d'alcool. Bon, là, on va dire que t'as servi quoi? 2 doses? T'en prends 5? Ça fait 10 doses de bar. Alors, selon la corpulence, le sexe, selon le fait que t'aies mangé ou pas, tu peux faire ce que tu veux, il te faut 2 heures pour éliminer une dose. Toi, t'en bois 10, ça fait combien? 20 heures. Parfait. Bon, imagine, tu vas te coucher à 9 heures, ok? Tu fais ta nuit, et à 7 heures, tu es sur le chantier. Tu es encore positif. Et si ce matin, tu as un accident sur le chantier, si tu blesses quelqu'un, tu seras poursuivi en justice. Si tu tues quelqu'un, c'est les menottes, direct, tu vas en prison. T'as déjà été en prison, Francis? Quoi? T'es avec nous, là? Ouais. Quand tu es sur ton téléphone, t'as pas les mêmes réflexes. Téléphone, l'alcool, les drogues, même certains médocs. Ça te bouffe de la place dans ta tête et t'es pas là à 100%. Et sur un chantier, t'es pas à moitié là. Ou t'es là, t'es pas là. La consommation de drogue et de certains médicaments provoque une chute de la tension artérielle, augmente la fréquence cardiaque, modifie la perception visuelle, entraîne des troubles au niveau de la motricité, de la coordination, de l'équilibre, une baisse de la vigilance. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en chantier, à l'usine, en carrière, il y a du danger et que vous êtes incapable de le voir. Quand tu es au téléphone, que tu as fumé, t'arrives pas à te concentrer sur ce qui se passe autour de toi, et ça, dans vos métiers, ça pardonne pas. De toute façon, chez nous, c'est interdit. On est contrôlé régulièrement. Ah. Bah ouais, c'est interdit. Et dans la religion aussi, c'est interdit. On sait très bien qu'il y a des gens qui boivent et qui esquivent les contrôles. Qu'il y a des gars qui fument du shit, et qui prennent des médicaments. Mais personne n'en parle. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Moi, j'ai un collègue, c'est comme mon frère. C'est son père qui m'a tout appris dans le métier. Et ben ce gars-là, il fume des pêtes. Je le vois, parfois, il arrive le matin, il a les yeux rouges. Je vois bien qu'il est pas là. Il croit qu'on le voit pas. Moi aussi, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un. Un mec sympa. Tout le monde l'aimait bien. Ce mec-là, tous les matins, il se trouvait un petit pet. Un rituel. Pas dangereux, hein, de l'herbe. Que du bio. Et ce gars-là, un jour, au moment de décharger la canalisation, c'était du 600 béton. Il a mal accroché les lingues. Il avait fumé. Il a mal accroché les lingues. Quand on a monté la charge, les lingues a glissé. Et la canalisation est tombée sur son collègue. C'était son meilleur ami. Il est mort dans ses bras. Ce gars-là qui fumait, Francis, c'était moi. C'est toute ta vie qui s'arrête ce jour-là. J'aurais dû en parler. Moi, si je m'en suis sortie, c'est parce que Mohamed est venu m'en parler. T'avais vu que j'avais un problème avec l'alcool. Et t'es venu m'en parler. Aujourd'hui, ça va. J'ai passé le cap. Mais ce qui est sûr,
c'est que je m'en serais jamais sortie toute seule. Il faut se faire aider. Bon, on va bosser là, ou on cause ? On cause. Colors in disguise. You know that they shine. And you also know my name. I can't forgive you for that. Colors in disguise. I can't forgive you for that. And you also know my name. I can't forgive you for that.